Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va continuer donc, la carrière, la présentation pardon, des machines pour récolter. Là, on va aller faire, comme vous voyez, avec cette machine, c'est pour récolter les betteraves. Donc, hop, on l'achète. Là, hop. Ça, ce sera pour faire un transfert. Ça, c'est tout bon. C'est un plus petit modèle. Il n'y a pas de roue à l'arrière. Voilà, pardon. Mais pas de donc voilà. Après, il nous faudra l'ébène. Celle-ci. D'accord, je vais un peu trop. Un petit peu chaud à lui faire attacher sa coupe. Petit tablier. Voilà. Pour acheter le reste. Je vais volontairement mettre comme ça. On va y voir après. La remorque spéciale ce style de coup et elle est bonne. Là, vous voyez pourquoi je me suis mis là. De l'autre côté, sinon il fallait que je fasse tout à l'heure. Et tout pour. Pour moi, ça ne risque pas de tomber, elles se sont fixées dès le départ, celle-là. Cette pile, là. On devrait avoir ça pour les consommer, ce serait tellement bien. Voilà.
donc il me faudrait n. Système d'attelage. Un truc comme ça. Alors, derrière nous. On va former un train outil, ce qu'on appelle un train outil. J'attends le moteur, ça ne sert Alors, je vais aller un peu plus là-bas. Sortir. Rétroviseur. Allez, il manque ça. Le problème n'est que c'est le lit. C'est le lit, c'est un truc que je comprends. Je vais essayer de tenter. Mais voilà, il y a tout de suite un petit problème. J'aimerais vérifier. Pareil, autant rien pour l'autre.
Assez longue. Suffire. Regardez. Et donc, ce que je comprends, c'est que le lit n'a pas de scellette qui se relève, ce qui fait que ça plonge. Ça va plonger la remorque sur le devant. Ça, c'est pas génial. Autant pour l'un que pour l'autre, j'ai l'impression. J'ai un vrai revoir parce que ça ne me convient pas. C'était juste pour tester, il ne me convient pas donc. Un lit avec la serrette qui s'enlève comme là. La pratique, c'est bon, ça me va être la chute. Évidemment, il faut le mettre droit. Sinon, ça va être l'enfer. Parce que quand on attache un train, on va faire un train au chiffre quand même. Se faciliter la vie comme on peut. Voilà. C'est bon là. J'ai plongé la remorque, l'autre il avait. Là GG, ça va pas mal foutu. Ouais, on croise, c'est n'importe quoi. Et quand ça commence à avoir du poids, que ça va aller. Donc, là, c'est parti. J'ai pas aimé dehors, je ne comprends pas. Voilà.
Par contre, là, je vais juste simplement reprendre mes 4 roues, là, ça va changer. Alors, F1. Ça va être trop. C'est trop direct en ce moment. On va se mettre dans la cabine. Et là, voilà, ça y est. On a compris qu'il ne fallait pas bouger la cabine. Nous sommes partis. Oui, ah, j'ai oublié celle-là. Là, il y a le trafic qui est là. Tant qu'il passe, oui, au cas où, je sais pas où il va. Dès qu'on va dans une direction, il y a forcément en face, il y arrive des problèmes. Allez, au niveau, il n'y a personne. Aller au champ 56. Ça, c'est de la patate. Ouais, bah, elle frôle là. Oh, bah, il y a du monde derrière. Je vais laisser tranquille. Parce que, hop, moi, je tourne. Ok, il va y avoir tapé dedans, lui. Ah non, même pas. Oui, bip bip, ouais. Moi aussi, je suis pas. Un... D'accord, il y en a deux chieurs, évidemment. Je vais me retourner dans la fabrique. Ah non, me dis pas qu'ils veulent forcer le passage, évidemment. Quelle bande de... C'est pas croyable.
je vous fais visiter la fabrique, là où on viendra vider tout à l'heure. Alors, espérons qu'il n'y aura pas trop de voitures cette fois. De toute façon, s'il y en a trop, ça va être vu. Je les enlève. J'ai pas le temps à perdre non plus. Ça. Oui, oui. On se met ici. C'est casé là. Son arbre est en collision. Oh, on se calme la voiture bleue. Bim, ouais, tu vois ce qu'on fait faire. Allez, casse-toi. Et jamais. Voilà. Et hop, on décroche. Dans l'objet écrasement de culture, là on n'a pas trop chaud. Évidemment, attention, voilà. Bon, allez, hop. Ouais, pour être bête, tu vois, je vais te cibler la tête, moi. Au revoir, merci d'avoir joué. Alors, hop, hop, donc à faire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je crois que ça m'arrive, ça. On va y arriver, hein. En fait. Voilà. Allez, on déplie la côte déjà. Voilà. La machine. Et donc là, donc, si vous dites directrice, je vais y arriver.
la formule avec la cabine, je vais tourner, ça fait encore. Après, ce qu'on va servir, elle va pas tout de suite, c'est ça, elle marche en crabe, côté là, de ce côté là. Le petit refaire, c'est que vous avez une baguette là. C'est intéressant de savoir. Avec la baguette, justement, c'est un bon repère. Savoir où elle va. Et après, on revient en droit. Ah, ça pourrait aller ça, on va dire. Voilà. Donc, hop, on lance la machine. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez lancer juste la machine et pas la coupe. On peut débrayer la coupe. Une bonne partie. D'accord, ah oui, tout à fait. Peut-être acheter le champ. Bah évidemment, je ne sais pas combien la machine monte. On va faire comme ça pour le premier, mais sinon ce sera que 6 km/h maximum. Parce qu'il est conseillé entre 4,5 et 5,5, comme ça. Voilà, on est en jeu. Non, tout à fait.
On a fait un premier tour. Cette fois, on va pouvoir passer dans un deuxième. Mais cette fois, on va pouvoir activer le. La marche en crabe. Et donc, qui est. À la gauche, voilà. Voilà, la petite baguette est sauvée là, ce qu'il faut. Donc, on remet la coupe bien. La chaîne, elle. On voulait. D'à côté. Alors, on en vient, mais il y en a quand même droit au niveau de la coupe. Ce qu'on veut. Pour justement le tassement, pour pas que le tassement du sol soit fort, pour le réduire au maximum, quoi. C'est quand même des sacrés pneus sur ces machines-là, même si ça a des basses pressions et autres. Partir. Et là, ça a fait deux grosses marques, parce que les pneus, ils sont tous passés l'un sur l'autre. Donc là, on va voir, on a la logique que. De la vitesse de la machine, on va m'occuper plus que de la direction. Vous voyez, il n'y a quand même pas photo entre là et là, il n'y a quasiment plus rien. Après, je vais monter juste dans l'autre sens et puis ce sera bon. Vous avez compris le maniement de la machine, hein. C'est très compliqué. Hop, et maintenant vers la droite. Par contre, ce qu'on va vraiment, c'est passer à la droite. Donc, ok, voilà que. Et donc là. Bien. Je suis par là-bas. On voit le petit repère de la baguette. Hein. Ça sert vraiment bien ça.
Enfin, 1 et 2, je crois que ça tombe plus. Et là, j'ai tué. Voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser pour sinon les épisodes ils sont peut-être un peu trop longs, puis on fera prochain coup, j'ai encore quoi, j'ai une mention de John Deere, je regarderai, puis je vous montrerai juste avant, on va faire la comment guider cette machine, comment ça fonctionne et pourquoi j'ai pris le camion. Sur ce, je vous dis à bientôt. Thank you.